Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la poule morte. Donc non je déconne, je vais vous parler des guns de Deadpool. Deadpool, poule morte, non t'as pas capté, c'est pas grave. Alors je vais vous parler des guns de Deadpool parce que tout simplement ils ont un effet de sangsue. Donc là vous pouvez le voir dans le gameplay, j'ai moins de vie et quand je vais tirer sur l'acolyte, je vais récupérer de la vie grâce au gun parce qu'en fait il a un effet sangsue. Donc à chaque fois que je vais tirer une balle sur un ennemi, et ben je vais récupérer 3 points de vie. Donc franchement c'est assez cheaté et ça peut être très efficace. Alors ce gun vous pouvez l'avoir uniquement sur le yacht en tuant Deadpool, donc le boss des acolytes qui se trouve sur le yacht parce que ben il a pris le contrôle du yacht. C'est la seule et unique façon que vous pouvez débloquer cette arme parce que c'est une arme mythique et seuls les boss des acolytes en sont équipés. Donc voilà pour la petite information. Alors j'ai une deuxième information à propos de Miaos Clay qui était justement le boss du yacht. Et bien en fait il a été déplacé, il a déménagé, et vous savez où est-ce qu'il a été déplacé? Et bien dans l'usine de carton trompeur, donc dans l'usine à carton. À mon avis cette usine elle lui appartient parce que sur les cartons il y a souvent la tête de Miaos Clay, donc à mon avis c'est son usine, et en fait Fortnite l'a déplacé là-bas parce qu'il savait pas quoi en faire. Mais le pire de tout, c'est que quand vous le tuez, vous pouvez récupérer la carte du coffre du yacht. Mais à quoi ça sert? Vous n'allez pas vous taper 10 000 km pour aller jusqu'au yacht pour ouvrir le coffre qui sera sûrement déjà ouvert par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un peu stupide, je comprends pas trop les bails, mais à mon avis c'est possible que Miaos Clay se déplace ou je ne sais pas. Franchement, pour l'instant c'est pas très efficace, mais on verra bien par la suite qu'est-ce qui va se passer. Enfin voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ces informations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao. Peace.